Et nous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc le vlogmas numéro 18. Déjà, ça file à une vitesse. Donc, je suis avec Miss Lexi qui nous a rejoint pour 3 semaines. Je suis tellement contente. Donc, je vais me lever, il est midi et demi, je crois. Ah, Maurice, ça suffit. Comme d'habitude, je vais voir le calendrier de l'avant, je vais sortir tout le monde pour qu'ils aillent faire leurs besoins, la distribution de friandises. Cet après-midi, j'ai prévu. J'ai prévu de faire un prévoir pour les décos de Noël pour la semaine prochaine. Et aussi je vais me balader dans une mairie que j'ai pas encore vu, leurs décorations de Noël qui généralement sont assez imposantes, donc je vais aller voir. Je vais prendre Lexi avec moi et on va en profiter qu'on va sûrement lui acheter un cadeau de Noël. Un cadeau d'anniversaire. Parce que c'est mardi. Donc voilà, je vous dis suivez-nous pour le comme d'habitude. Et puis voilà. Donc je viens de finir de tourner le DIY pour la semaine prochaine, ça tente en cuir. Enfin, j'ai quasiment fini de tourner, là, après il y a la plus grosse partie qui est faite et je finirai la déco ce soir. Là je vais tourner une autre vidéo mais il fait déjà quasiment nuit, enfin forcément c'est vachement éclairé mais en fait c'est hyper sombre. C'est assez relou pour tourner, je dois vous l'avouer, mais dimanche il est même pas 4h et il fait déjà nuit. Donc je vais tourner vite fait cette vidéo et après je vais aller sortir vite fait avec Lexi comme j'avais prévu d'aller à l'Almérie. Donc voilà, je fais ma vidéo et c'est parti. Donc là on est bien arrivé au jardin Leclerc, je suis avec Lexi comme vous avez pu le voir, franchement il est 17h, il fait déjà nuit quoi, c'est quand même incroyable. Donc on va y aller, on va aller filmer les décos de Noël et puis on va aller se balader vite fait. Balade. Thank you.
Donc voilà, j'espère que le petit tour qu'on a fait dans la jardinerie vous aura plu. Comme vous voyez, ils ont vraiment beaucoup de choix au niveau du style de décoration de Noël. Moi j'aime beaucoup. Bon, j'ai rien pris parce que j'ai déjà toute ma décoration de l'année, je vais pas en acheter maintenant. Juste que j'ai pas filmé les animaux parce que pour moi leurs collections sont toujours aussi déplorables dans cette animalerie. On n'oublie pas qu'ils comptent. C'est une des rares animaleries que je vois encore mettre des copeaux pour des rats, alors que toutes les autres animaleries jusque-là que je vois, ils ont compris pour ça qu'il ne fallait absolument pas en mettre aux animaux et encore moins aux rats, alors qu'ici ils en mettent sans souci. Vous êtes sûr que si vous prenez un rat ici, il aura des soucis respiratoires chroniques à cause des copeaux. Il y a les trois quarts des souris qui étaient pleines. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un lapin nain qui était dans un truc à vitre qui était assez grand pour des hamsters russes. En gros, il pouvait à peine se retourner sur lui-même, donc c'était pas le top. Les chiots, ça allait, ils étaient pas trop mal. Sinon, le reste, pas grand-chose à acheter. Franchement, j'ai rien craqué. Je pensais avoir du mal à me retenir pour acheter des trucs. Et en fait, j'ai rien acheté du tout. Il y avait rien qui me tentait au niveau des friandises ou quoi que ce soit, ou des jouets. Il y avait pas de nouveautés, donc franchement, ça m'intéressait pas. Tout ce qui avait intéressant, c'était la collection DLP, donc je vous ai montré, il y avait la version chat, il y avait d'autres trucs aussi pour les humains, mais c'est assez cher DLP, donc je préfère garder mon argent pour mettre de côté pour la stérilisation de Kitty. C'est beaucoup plus important que d'acheter des futilités, donc voilà. On y est allé, au moins on a profité, là il est bientôt 6h, donc on va repartir pour rentrer à la maison, j'ai du montage à faire. En tout cas, j'espère que cette petite sortie avec les décos de Noël vous auront plu, et puis quelques parties avec les animaux. Donc voilà, je vous dis... à tout à l'heure, de toute façon on va rentrer, je pense que je vais peut-être filmer encore ce soir, je sais pas encore. Donc on prend la route et on y va. Il y a Miss qui est déjà cachée dans son assise. Il est là. Je sais plus, vous avez montré le cadre que j'avais acheté et j'ai eu toutes mes signatures de ma famille pour mon anniversaire et j'ai collé les petites décos que j'ai mis sur la table. Donc il ne manque plus qu'à mettre la photo que je vais faire avec mon chéri et puis je la mettrai en déco, je ne sais pas encore où dans la pièce. Salut bébé. Donc là je vais faire du montage de différentes vidéos qui sont en cours. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc bah voilà, je pense que je vais clôturer là. De toute façon, je vais regarder une vidéo de jeu que je suis en train de regarder. Je finis de faire ma petite déco là-dessus. Lexi, arrête. Et puis bah, je vais faire des montages et puis après bah, je vais me coucher parce que demain, boulot. Il y a le chef qui revient. Oh, je suis tellement triste. Ça suffit, Lexi, tu as des paillettes plein la truffe. Donc voilà, je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas qui sera un petit peu plus je sais pas trop quoi parce que... Lexi, tu mets de la peinture partout! Ah! Parce qu'il y a le chef qui revient, donc je pourrais plus faire comme je veux, donc voilà. Donc je vous dis à demain quand même, on verra ce qu'on fera.